seul des autres la plantaille. Depuis ça, l'eau soleil la passe. Il arrose tout ça là. Deuxième jour, un petit dicté pour pointe son bout de nez. Il a commencé l'hiver comme Zodé. L'été Zoti Baba. A zot même zot l'été en l'air. L'été garde à zot si guidé. Dans son ciel n'a vu rien que zoté. A la lila gati côté. L'île avec n'avait un tralé. Un carreau comme vers l'ioté. Son famille, son identité. Terre la l'été bien. Terre la l'été bien. Ah terre la l'été bien. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je regarde de deux côtés, ici on est sur LinkedIn, YouTube, Facebook et là je suis sur Instagram. Voilà. Alors j'espère que vous allez bien, dites-moi, confirmez-moi s'il vous plaît en commentaire si le son est bon, si tout fonctionne. Comme ça, s'il y a un souci, au moins je le saurai, je pourrai continuer. J'arrive même plus à parler. Je pourrai continuer à améliorer davantage mes prochains lives, s'il vous plaît. Et pour les habitués des lives, on ne va pas déroger à la tradition, à savoir que comme vous êtes en direct avec moi là maintenant tout de suite sur Internet, hashtag live
en commentaire, s'il te plaît, c'est super important. Voilà, c'est pour l'algorithme, ça envoie un signal partout sur les réseaux sociaux. Donc, hashtag live, tu dis coucou, je suis là, le son est bon ou le son n'est pas bon, voilà, etc. Et quand tu regarderas eh bien, ce live en rediffusion, en replay, mets hashtag replay, s'il te plaît. Alors, quel est l'intérêt de ce live aujourd'hui? Ça fait longtemps que je n'ai pas fait des lives. Pourquoi j'ai pas fait des lives depuis un petit moment? Tout simplement pour la bonne raison que je suis super occupé. Voilà, je suis en train de développer l'université Groove La Cupig. Nous proposons aujourd'hui plus que des cours de basse, des cours de piano, des cours de guitare, des cours de chant, etc. D'ailleurs, au moment où je fais ce live, aujourd'hui, on est le 5 août 2023 et je suis en train de bosser avec des guitaristes et des chanteuses pour pouvoir vous proposer des cours tip-top. Donc ça va être génial. Mais bref, tout ça pour vous dire que le live d'aujourd'hui, c'est pour vous parler de mon premier livre, Le talent ne paie pas tes factures. Cool, je vois que les commentaires sont en train d'arriver, c'est génial. On me dit bon sur YouTube et Rishi qui me dit go Joanne sur Facebook. Génial, parfait, et sur Instagram aussi. Hop, je vois que ça fonctionne. Donc, Le talent ne paie pas tes factures, c'est mon premier livre qui va faire partie d'une longue série de livres que je compte écrire, tout simplement. Voilà, comme vous le savez, j'adore écrire. C'est pour ça que d'ailleurs, à ce jour, sur le blog bassistepro.com, il y a plus de 500 articles. J'adore écrire, j'adore brainstormer. C'est une bonne gymnastique pour organiser ses idées, ses concepts, etc. Et je me suis dit comment je pourrais aider davantage, en fait, par exemple, les musiciens qui galèrent, parce que c'est un vrai tabou. Et j'en discute souvent, régulièrement avec les collègues. C'est un sujet de conversation qui revient assez souvent. Et soit il y a des dramas parce qu'il y a des problèmes d'argent dans le couple. Et c'est soit la compagne, soit le compagnon qui se sent insécure vis-à-vis de ça. Et comme les temps sont difficiles, il y a des prises de tête, les gens ont du mal à communiquer et à rester cool, en fait, tout simplement, vis-à-vis de ça, même si la situation peut sembler catastrophique, ça ne définit pas, comme je dis toujours, que ça va être comme ça, ad vitam aeternam pour ta vie. C'est dans cet instant T, là, oui, tu te sens en galère, mais ça ne veut pas dire que toute ta vie, ce sera comme ça. Parce qu'en fait, y a des clés, et ces clés-là, en fait, il faut aller les chercher. Et c'est tout l'intérêt de faire des livres pour vous partager des clés, ce que j'ai mis en place, d'être transparent. Je vous partage le chiffre d'affaires de l'université Groove La Cupig. Alors, c'est pas pour flamber ou quoi, mais c'est pour vous prouver que c'est possible, même en étant indépendant. Je dis pas que c'est facile, parce que ça ne l'est pas, pour être complètement sincère et transparent, encore, tu vois, pour, voilà. Mais être chef d'entreprise, c'est une énorme responsabilité, parce que si tu te casses la figure, t'as pas d'aide sociale, y a personne qui va venir t'aider, c'est pour ta poire, et en plus de ça, y a des gens, des haters qui vont t'attendre au tournant, bien fait, etc. Mais si tu oublies ce côté-là, un petit peu pression, que t'es un bosseur, que t'es organisé, tu as de la stratégie. À l'heure d'aujourd'hui, en tant qu'artiste, tu peux faire 1 milliard de trucs de ouf pour être confortable. Et c'est inadmissible de rester dans une situation compliquée. Voilà, donc ce n'est pas un livre pour devenir riche en 30 jours ou en 90 jours ou en je ne sais pas quoi. Ce n'est pas du tout le topic. L'idée, c'est de partager des anecdotes. C'est pour ça d'ailleurs que je vais lire des extraits. Et pour te partager des anecdotes, te partager mes expériences, ce que j'ai mis en place, ce qui n'a pas fonctionné. Et quand tu achètes en plus le livre, en passant par le lien que j'ai oublié de mettre en commentaire, d'ailleurs je vais le faire sur tous les réseaux sociaux en instantané, sauf sur Instagram, je le ferai sur la rediffusion, voilà. Donc sur Facebook, LinkedIn et YouTube, le lien vient d'apparaître. Donc voilà, je vous partage tout. Et il y a une formation, voilà ce que je voulais dire, il y a une formation qui est livrée au moment de l'achat du livre pour que quand tu attends tout simplement le livre chez toi, la livraison, et bien que tu puisses commencer déjà à travailler sur tes blocages. C'est encore une fois, ça s'appelle exploration du dilemme financier des musiciens. Et surtout en France, en francophonie, disons les choses, et ce n'est pas pour critiquer, parler d'argent, c'est tabou, c'est mal vu, et je sais de quoi je parle. Je suis toujours catalogué dans un certain cercle de musiciens comme quelqu'un de matérialiste qui pense qu'au cash, argent, alors que non, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Si tu veux vivre de ton art, que ce soit la musique, la peinture, ou même si tu es médecin, tu es avocat, tu es obligé d'avoir des clients. C'est une réalité. Il ne suffit pas juste d'avoir du talent, de se dire « Non, mais tout le monde dit que j'ai du talent. Michael Jackson, Quincy Jones va m'appeler. Tranquille. » Non, ça ne marche pas comme ça. Et souvent, les gens qui réussissent leur carrière ne sont pas forcément, ce que j'explique aussi dans le livre, ne sont pas forcément des gens qui ont plus de talent que toi.
et des fois, c'est peut-être même moins. Par contre, ils ont des clés de communication, ils savent communiquer, ils savent se vendre, ils savent mettre de l'argent de côté et ne pas tout cramer pour acheter le dernier MacBook ou le dernier iPhone, etc. Parce que ça, c'est une réalité aussi que j'observe, et ce n'est pas un jugement, que j'observe souvent chez les collègues. Donc ça pour dire qu'il y a, un vrai abcès, en fait, je trouve, dans la communauté francophone vis-à-vis de ça. Et dès que tu dis, bah tiens, tu pourrais gagner plus, tu pourrais investir, tu pourrais faire ça, t'es tout de suite jugé. Il y a, ça crée comme un espèce de sentiment de, je sais pas, d'inconfort, comme si on faisait quelque chose de mal. Donc voilà. Bref, je t'invite à découvrir ce livre, Fais-toi plaisir. Je le mets là maintenant pour Instagram. Merci d'ailleurs à toutes les personnes qui sont sur Insta aussi, ça fait plaisir. Alors, je vais commencer par vous lire les remerciements. Je fais ça, je ne sais pas si... Non, avec les lumières, on ne voit pas très bien. C'est la page de remerciements. Et dans le livre, j'ai fait en sorte qu'il y ait tout le temps des images. Donc là, c'est qui suis-je ? Donc c'est normal qu'il y ait une photo de moi. Mais voilà, pour vous parler des concepts, là, c'est quand je parle de l'université un petit peu, etc. Donc il y a toujours des images pour vous expliquer des concepts, pour que ça s'ancre tout de suite. Et encore une fois, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, on a le forum de l'université qui est entièrement disponible 24 heures sur 7. Tu envoies un message et puis mon équipe et moi-même te répondons. Enfin bref. Donc je vais commencer par vous lire la page remerciements, et si vous avez des questions, faites-vous plaisir, bombardez-moi d'informations et de questions dans les commentaires, s'il vous plaît. Alors, remerciements, commençons. Tout d'abord, je tiens à exprimer ma profonde et sincère gratitude envers ma famille. Votre soutien inébranlable, votre amour, votre patience, ils ont été mon ancre dans les mers les plus déchaînées. Un grand merci à mon fils Naoki, qui est une source infinie d'inspiration. À mes amis, vous avez été ma boussole quand je me sentais perdu, ma lumière dans les moments les plus sombres. Je ne peux pas assez vous remercier de m'avoir toujours poussé à être meilleur, à dépasser mes limites, à cultiver un état d'esprit de croissance. À mes élèves, à mes clients, vous êtes la raison pour laquelle je fais tout ce que je fais. Votre désir d'apprendre, votre résilience face aux défis et votre foi en moi m'inspirent chaque jour. Je vous suis incommensurablement reconnaissant pour votre confiance et votre soutien. Vous n'avez pas seulement enrichi ma vie par votre présence, mais vous avez fait de moi un meilleur enseignant, un meilleur mentor. À mes fans, ceux qui ont été là depuis le début et ceux qui se sont joints en cours de route, merci. Vos encouragements constants, votre enthousiasme pour mon travail et votre soutien indéfectible alimentent mon esprit créatif. Vous êtes le battement de cœur de mon voyage et je suis éternellement reconnaissant pour votre amour. Enfin, je tiens à exprimer ma gratitude à tous ceux qui ont joué un rôle, aussi grand ou petit soit-il, dans mon parcours. Je suis incroyablement reconnaissant envers chacun d'entre vous. Vous avez tous contribué à ce voyage incroyable et ce livre est autant le vôtre qu'il est le mien. Alors que nous terminons ce chapitre ensemble, en ouvrons un nouveau. Voilà, et puis il y a d'autres informations avec des petits cadeaux, donc je ne vais pas spoiler les URL pour les petits cadeaux. Alors, qui suis-je ? Donc, on est déjà sur la présentation, parce que je pars du principe que je dois me présenter. Donc, je m'appelle Joanne Berby, peut-être que tu me connais déjà, peut-être pas. C'est le moment de lever le voile sur qui je suis véritablement. Je suis un mélange de différentes entités, musicien, bassiste de renommée internationale, entrepreneur accompli, coach et consultant. Ma vie s'est construite autour de la passion, de l'authenticité et du dépassement de soi. Je suis né au port, à l'île de la Réunion, 974, avant de grandir à Maubeuge, dans le nord de la France. Dédicace d'ailleurs à tous les potes ch'tis. Un bilout. Mes parents sont arrivés en métropole avec 500 francs dans leur poche. Ma grande sœur et moi. Ils voulaient nous offrir une meilleure vie, plus d'opportunités pour notre avenir. La musique noire a bercé mon enfance. Des mélodies de James Brown à Michael Jackson, en passant par des artistes africains, de Zouk, Kompa, Maloya. C'est cet héritage musical qui a indubitablement façonné ma vie. À l'âge de 3 ans, lorsque j'ai découvert Michael Jackson pour la première fois, une révélation a eu lieu. Je savais dès ce moment que la musique et la danse seraient mon destin, ma vie. J'ai dansé jusqu'à mes 17 ans,
avant de succomber à l'appel de la basse, sautant sur l'occasion pour rejoindre un groupe de métal que mes potes du lycée avaient créé. D'ailleurs, dédicace à tous ces potes qui sont toujours mes potes aujourd'hui. Hashtag Wakey, comprendront les potes. En parallèle, l'art sous toutes ses formes a toujours su capter mon attention. Vernissage d'artistes, nouvelles technologies, littérature. Ma curiosité est insatiable. Ma carrière musicale m'a permis de collaborer avec des artistes incroyablement talentueux, comme Marcus Miller, Trilogue Gurtu, Yael Naïm, Fatoumata Diawara, pour ne citer que. De collaborer en tant que musicien de session pour des labels et des tourneurs partout dans le monde. Chacune de ces rencontres a été une source d'inspiration et a enrichi mon propre art. Mais mon histoire ne se limite pas à la musique et aux tournées. Je suis un grand fan de pédagogie depuis tout petit. En 2015, à l'âge de 32 ans, j'ai créé une école de musique en ligne, groovelikeapig.com. Voilà. En tant que CEO PDG d'une entreprise estonienne, Groovelikeapig Publishing, il est très important pour moi d'être transparent sur ce qui est réellement possible d'accomplir aujourd'hui pour les artistes qui se bougent, qui se retroussent les manches et qui n'ont pas peur de travailler dur pendant un long moment. Parce que c'est ça la vérité. L'école de musique en ligne que j'ai créée ne se contente pas de fournir un enseignement musical alternatif et de haute qualité, elle incarne une véritable famille empathique et chaleureuse, engagée à comprendre et à soutenir les aspirations et les défis uniques auxquels font face les musiciens, qu'ils soient amateurs ou professionnels. Cette institution est plus qu'une simple plateforme pédagogique, c'est un refuge où chaque musicien peut se sentir à l'aise sans jugement, même dans les moments de doute ou de difficulté. Mon ambition était de créer un espace où chaque élève se sent comme chez lui, où il puisse compter sur le soutien d'une communauté soudée en toutes circonstances. Pour traduire cette vision en réalité, j'ai rassemblé une équipe extraordinaire de 12 personnes dispersées aux quatre coins du monde. Notre équipe de support 7 jours sur 7 est phénoménale. Les professeurs sont bienveillants, à l'écoute et empreints d'empathie. Mon critère clé lors du recrutement, que chaque membre de l'équipe soit musicien et passionné de musique. Oui, tu as bien entendu, chaque personne de notre organisation maîtrise un instrument. Même notre comptable, Valentin, un Russe basé en Estonie comme moi, joue de la batterie et de la basse. Tu peux découvrir une partie de l'équipe sur, voilà, il y a l'URL, c'est sur bassistepro.com. Pour moi, c'est cette symbiose musicale qui renforce notre compréhension et notre empathie envers les besoins de nos étudiants. Trop souvent, les musiciens sont infantilisés, perçus comme des individus incapables, bêtes et incompétents, qui ne peuvent rien faire seuls. C'est cette image que je m'efforce de déconstruire. Certes, il y a peut-être des musiciens qui correspondent à cette caricature, mais ils ne reflètent en aucun cas l'ensemble de la communauté musicale, ni même le potentiel illimité des musiciens passionnés et motivés. Alors, à travers cette école, je cherche à faire émerger le potentiel de chaque musicien, à cultiver leur confiance en eux, à déverrouiller leur créativité et à leur donner les outils pour qu'ils puissent voler de leurs propres ailes. Albert Einstein a bien déclaré un jour « La connaissance est limitée alors que l'imagination embrasse le monde entier, stimulant le progrès, donnant naissance à l'évolution. » J'aspire donc à bâtir une communauté où chaque musicien est respecté et valorisé pour ce qu'il est, un artiste à part entière, doté de talent, d'ambition et de rêves uniques. Fort de ce succès, j'ai élaboré d'autres plateformes sur Internet, des applications et des services d'accompagnement pour les entreprises. Ma volonté d'aider d'autres artistes à réaliser leurs rêves est le fondement de mes actions. C'est possible, même en tant que musicien indépendant, et je suis la preuve vivante de cela. J'ai un rêve, celui de voir tous les musiciens être respectés, non seulement pour leur talent créatif, mais aussi pour leur valeur intrinsèque en tant qu'être humain. Je rêve d'un monde où les musiciens peuvent gagner leur vie décemment, sans être exploités ou marginalisés. Un monde où la musique est reconnue pour son pouvoir de guérison, tant sur le plan mental que physique, où elle est utilisée comme un outil précieux pour inspirer, émouvoir et connecter les êtres humains. Dans ce monde,
Je m'imagine, pardon, excusez-moi, dans ce monde que j'imagine, les musiciens sont valorisés et rémunérés équitablement pour leur travail. Le respect de leur art est la norme et ils sont soutenus dans leur parcours pour atteindre leurs objectifs et réaliser leurs rêves les plus fous. Nous pouvons créer un écosystème favorable où chaque musicien est indépendant et a la possibilité de s'épanouir et de réaliser son plein potentiel. Je suis déterminé à œuvrer en faveur de ce changement et à élever le statut des musiciens et à créer un monde où la musique est respectée et valorisée à sa juste mesure. Mes échecs et expériences. J'ai dû affronter de nombreux défis. En arrivant à Paris le 4 mai 2004, je n'avais pas conscience des épreuves qui m'attendaient. À mon arrivée à Paris, je jouais presque avant, pardon, avant mon arrivée à Paris, je jouais presque tous les jours. J'avais plusieurs projets musicaux qui étaient très bien rémunérés, avec des cachets allant de 300 euros à 1000 euros par soirée. Je jonglais entre les concerts déclarés et les concerts au black, ce qui m'arrangeait à l'époque, puisque je vivais encore chez mes parents à Maubeuge. Ainsi, je pouvais mettre de l'argent de côté tout en aidant mes parents en participant aux frais de la maison. J'avais un groupe de rock, un groupe de metal, un groupe de funk, un groupe de music rail pour les mariages et un autre groupe où nous jouions que lors de mariages non maghrébins ou orientaux avec un répertoire composé uniquement de variétés françaises ou internationales. Avant d'arriver à Paris, étant très naïf à l'époque, je m'attendais à voir une qualité de vie similaire, des projets musicaux intéressants et une rémunération permettant de payer décemment mon loyer, me nourrir et évoluer musicalement en faisant des rencontres. Sauf qu'il y a eu une désillusion totale. Le milieu est rempli de personnes qui se mettent elles-mêmes en compétition, cherchant avant tout leurs propres intérêts. Je tiens à préciser que je ne dis pas qu'il n'y a aucune personne sympa, mais de manière générale, les relations sont souvent superficielles et basées uniquement sur des intérêts personnels. Par exemple, certains musiciens te feront jouer sur leur disque ou lors de leur concert de sortie d'album, avec l'attente que tu fasses la même chose pour eux en retour. Personnellement, j'ai toujours trouvé cela ridicule, mais bon, ce n'est que mon point de vue et cela vaut ce que cela vaut. Un autre point que j'ai toujours trouvé horrible dans ces milieux superficiels, c'est que si tu t'absentes pendant quelque temps, par exemple, pendant quelques mois, tout le monde t'oublie et tu dois tout recommencer à zéro. De plus, endetté de plus de 5 000 euros pour des loyers impayés, contraint de jouer dans la rue avec ma contrebasse pendant 2 ans, j'ai connu des moments de doute profond. Devais-je continuer? Devrais-je arrêter? Je me rappelle que dans ces moments de doute, cette question me hantait presque chaque matin au réveil, chaque soir avant de m'endormir. Mon cœur était serré, les larmes menaçaient de couler et l'angoisse m'étreignait. Je me demandais si j'avais fait le bon choix en suivant mes rêves et en écoutant mon cœur. Était-ce une punition que de vouloir poursuivre ma passion? Ou étais-je condamné à suivre le chemin de la majorité, celui d'un travail banal pour le simple gain d'argent au profit de quelques visages inconnus? Le milieu musical parisien ne correspondait vraiment pas à ma vision de la musique, du partage, de l'échange et de l'évolution de carrière que j'envisageais déjà à l'époque. Je me souviens que quand j'utilisais le mot carrière dans les clubs de jazz, tout le monde rigolait. Donc voilà, j'ai pas terminé la page, il y a encore plein de paragraphes, mais dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez des questions vis-à-vis de ça? Donc je vois qu'il y a des questions qui sont arrivées. Hop, on me demande des tutos, ok, sur YouTube et sur Facebook aussi, je vois. Ok, très bien. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de lire? Est-ce que c'est quelque chose déjà qui vous parle? Est-ce que vous arrivez déjà à vous identifier quelque part avec ce que je viens de partager? Puis dites-moi surtout si vous avez envie que je continue à vous lire quelques extraits du livre. Et je rappelle encore une fois qu'au moment où tu acquiers ce livre, il y a une formation qui est offerte, une formation pédagogique sur comment gérer son argent, ses relations humaines dans sa carrière musicale. Et voilà, c'est un bon combo gagnant. Lire le livre en premier, boum, et ensuite appliquer les conseils qu'il y a dans les vidéos, tout simplement. Donc l'idée, c'est pas de se la jouer donneur de leçons ou quoi, c'est encore une fois
partage d'expérience, parce que je connais un peu la mentalité des haters sur Internet. Là, ça va assez vite, des fois, malheureusement. Donc, voilà, si vous avez des questions, je réponds à vos questions. Et si vous n'en avez pas, je vous libère. Moi, je vais aller faire un tour à la mer pour prendre un bol d'air frais. Voilà, ici, à Tallinn, en Estonie. C'est l'été, mais on a un été pluvieux cette année. Alors, je vois, elle me motive, au contraire, dit Jorex Prod sur YouTube. Voilà, je me permets d'afficher ta phrase sur tous les réseaux sociaux, sauf sur Instagram, je ne peux pas le faire. Hop. Je suis content que ça te motive. Le livre peut se livrer aux USA? Oui, tout à fait. Le livre est disponible aussi partout dans le monde, en fait. On livre partout dans le monde. Donc après, en fonction d'où vous vivez, il se peut que le délai soit forcément plus long. Ça, c'est mon imprimeur qui gère ça. Mais en tout cas, on livre partout. Voilà. Donc, que si tu es dans les dom-toms, tu habites en Martinique, en Guadeloupe, à l'île de la Réunion, aux Seychelles, aux Comores, à Madagascar, peu importe, tu veux t'offrir ce livre pour changer d'état d'esprit, parce que j'insiste, en fait, ce qui crée les situations qu'on n'aime pas, dans lesquelles nous ne sommes pas confortables, c'est notre état d'esprit. Point barre. Rien de plus. Et c'est simple à changer, et c'est tellement simple que la plupart des gens ne le font pas. Pas parce qu'ils sont bêtes, je ne me permettrai pas d'être condescendant, et ça n'a rien à voir avec le niveau d'intelligence, parce que les gens qui sont successful sont pas plus intelligents que toi. Par contre, ce sont des personnes qui sont dans l'action. Ils apprennent une information, boum, on l'implémente tout de suite. Tu vois, et ça change plein de choses du tout au tout. Si demain, d'ailleurs, ça va parler à tous les élèves de l'université qui regarderont ce live ou ce replay, vous rappelez dans le premier chapitre, je vous dis quelle est la différence entre ce que l'on connaît, ce que l'on maîtrise, CQGM, CQJC. Et c'est exactement toujours ce même concept. Au final, je peux connaître 120 000 recettes de cuisine, ça ne fait pas de moi un grand chef cuisinier. C'est respectable, je connais 120 000 recettes de cuisine. Bravo. Mais si par contre, au contraire, tu maîtrises qu'un seul plat, ça va être un risotto de pâtes, d'accord, ou le risotto avec du riz, tu fais ça comme tu veux, les deux fonctionnent, c'est délicieux, mais que tu le fais, c'est high level de fou. C'est-à-dire qu'avant même que je mette une fourchette de ton risotto dans ma bouche, non seulement je suis rassasié par les yeux, parce que c'est genre, waouh, c'est sublime, waouh, je suis rassasié tellement c'est beau, waouh, le dressage est magnifique, les ingrédients choisis sont extraordinaires, et au moment où je mets la fourchette dans ma bouche, c'est orgasme total. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, il existe plein de solutions, bouge-toi les fesses. Nous, avec mon équipe, on est là pour t'aider, on n'est pas des vendeurs de rêves, on n'est pas des vendeurs de tapis. Si malheureusement, tu fais partie de ces artistes qui sont dans le jugement, qui n'y croient pas, moi, je ne suis pas là pour te juger, je ne suis pas là pour te forcer à acheter mes produits ou quoi que ce soit. Je ne me permettrai pas. Et puis, on ne voudrait pas de toute façon collaborer avec des clients comme ça. Ça, c'est là-dessus, on est transparent aussi. On préfère avoir la paix et être sûr d'aider les personnes qui veulent réellement level up. Ça, c'est la base aussi, en fait. Et si tu en as marre et que tu veux bosser avec moi, tu veux que je te coach sur toutes ces choses-là aussi, en plus, c'est possible. Il n'y a aucune obligation. Déjà, procure-toi le livre. Et si en plus, plus tard, tu as envie d'aller un peu plus loin, je suis là pour te guider. Je vois qu'il y a d'autres questions. Ah non, c'est toujours Jorex Prod qui dit OK. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions sur les réseaux sociaux. Je vous remercie infiniment pour votre temps, pour votre disponibilité. Merci d'avoir regardé ce live. Encore une fois, j'insiste. Quand tu regardes ce live en replay, hashtag replay, c'est super important. Et puis, si tu as des questions qui te viennent comme ça, même après le replay, mets-les en commentaire et tague-moi. Donc, si tu as regardé ça sur ma page Facebook, Joanne Berby, tague-moi, @JoanneBerby, pour que je puisse le voir. Si tu as regardé ce live, ce replay sur YouTube, tu fais la même chose, tu me tagues, @JoanneBerby, et je pourrais voir pareil pour LinkedIn. Pareil pour Instagram, sauf que sur Instagram, ce sera bassistepro_official. Mais voilà, vous avez compris le concept. Taguez-moi, je réponds toujours. Je ne fais pas la fausse star, genre, hey, j'ai pas le temps. Si j'ai vraiment pas le temps, je ne réponds pas tout de suite, mais je répondrai quand même à un moment donné. Voilà, c'est la base, c'est le minimum syndical. Merci du fond du cœur d'avoir participé à ce live. Et puis, au plaisir d'entendre vos histoires, de pouvoir vous aider davantage dans votre épanouissement, que ce soit avec la musique ou avec ce livre. Ciao.